tellement ébélé à Colanda solo la plus sur mon cola lelo lundi 27 mai 2024 yango ebandi motenebino. Délégation importante de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité dans la République démocratique du Congo, Bayambama qui week-end élégui, dans la cité de l'Union africaine, et pas Mokundi Mboka, son excellence Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton, pour ce détail, n'élément où. Une dizaine y a ambassadeurs ya Union européenne accrédité na République démocratique du Congo bayamba ki weekend eleki na cité ya Union africaine pa mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton na koyoka ambassadeur ya Union européenne oya kumbaki délégation auprès ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rencontre oyo ezalaki planifié depuis mikolobele pe et permettre bango na kolobela partenariat stratégique entre Union européenne et République démocratique du Congo. Cette rencontre a été avait été déjà planifiée un peu en avant. C'est une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaire stratégique. Et notre envie de renouveler ces partenariats entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les présidents, les ambitions du président pour son deuxième mandat. Na o Italie, situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo, chef ya délégation, ya ambassadeur ya Union européenne atalisa ki solidarité na bango envers peuple congolais pour na o yezali koleka na Est. En rapport na événement ya dimanche 19 mai, eleki Union européenne a condamné tentative nyonso de déstabilisation ya institution. Qu'il faut retenir tout d'abord, c'est notre solidarité avec ce qui se passe à l'est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer dès que possible une paix durable et aussi notre soutien pour les développements et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Et nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Et Sengali Boyeba, qui est délégation Oyo, est constituée par ambassadeur, il y a Suède, il y a Italie, il y a Belgique, il y a Pays-Bas, il y a Espagne, il y a France, il y a Grèce, il y a Hongrie, il y a République tchèque, puis représentant, il y a Portugal. Et Keyo! L'Assemblée nationale, cérémonie à remise et reprise entre bureau d'âge et bureau définitif et Salamaki. Week-end eleki avec un pacte P idéologie vous en détail. Week-end eleki, ba bureau ya chambre basse ya parlement et vivaki ambiance moko particulière. Ambiance oyo ezalaka mikolonion sauté, ezalaki nde à l'occasion. Ya cérémonie ya remise et reprise entre bureau d'âge dirigé na Christophe Mboso, pe nouveau bureau élu ya Vital Kamere. Na discours na ye d'entrée en fonction, honorable Vital Kamere, speaker ya chambre basse ya parlement, a remercié kinanu mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens avant tout à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait en sorte que, après avoir commencé dans la beauté notre cycle électoral, je pense qu'aujourd'hui, avec cette remise et reprise entre les bureaux provisoires qui, en même temps, puisque le président Mboso a dirigé l'Assemblée nationale et le président sortant et son équipe, qui a permis que cette étape soit l'avant-dernière pour ce qui concerne le Parlement. Et en ce moment, nous savons que le Sénat est en train de procéder à la validation des mandats. En même temps, nous savons que Madame la Première ministre est en train de s'atteler pour que son gouvernement soit prêt et qu'elle vienne à l'Assemblée nationale, ici à l'Assemblée basse, pour présenter son programme pour son investiture, où elle sera bien accueillie.
Nous disons que tout cela va clôturer ces longs cycles électoraux. Et c'est la démocratie en République démocratique du Congo qui s'en retrouvera renforcée. Élu Yabukavu a prometté qui ensuite qu'on travaillait et longo na bureau naye pour la dignité ya député national pe abenga ki bango ba se rappeler tout au long ya mandat na bango na situation oyo peuple congolais azali ko traverser actuellement. Nous allons faire ensemble à ce que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui donner ses lettres de noblesse, réhabiliter le député national dans sa dignité, dans son honneur, pour que ce dernier sache et se rappelle à tout moment qu'il porte sur ses épaules, dans son cœur, dans sa tête, les cris de détresse, du déterminata de la population. Et que c'est pour cela que nous sommes dans cet hémicycle. D'abord pour le peuple. Nous venons à ce moment-là. Je voudrais aussi préciser que nous allons faire en sorte que les députés nationaux travaillent dans de bonnes conditions. Et ainsi, nous allons ensemble, avec les collègues, respecter les minimums d'éthique pour un représentant du peuple. Je m'adresse enfin, à travers le secrétaire général ici présent, aux membres de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvrent pas pour la première fois, que nous serons attentifs à leurs problèmes. Nous allons faire en sorte que, dans l'amour, et dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple congolais. Et Sengeli Bosimba était Vital Kamere à cause de la seconde, na professeur Jean-Claude Chulumbayi et Christophe Mbosso, respectivement, premier et deuxième vice-président. Keyo. Pardon, vous avez été pour la moutonnion, vous avez dit que vous avez été pour la l'État, le col à Oyo, la poche, vous avez message, il y a inspection générale, il y a finance. Excellence, DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence, oui. Les inspecteurs de l'IGF sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hey, esprit, Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposer. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Et je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est dans votre famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, binoubou limbi sakate. État des droits. Et maman, et mbani maman, monoué. Silence. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique ou public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Messieurs les juges, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policier, exécuté. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances.
poursuivi pour un détournement, il y a 20 000 $ bafond loué. Na défense, il y a ville, il y a Goma. Général major Pezo a kangama kipe azali kusamba na haute cour militaire. Vous avez détaillé un élément. Haute cour militaire a poursuivi qui lobby les qui instructions y a cause opposant auditeur général militaire ministère public P général major Pezomba Labrino ancien commandant y a 34e région militaire Oyo Azalaki accusé elongo na colonel Mbo Mabokela directeur de finances y a unité wana pour na détournement y a 20 000 $ américains soit 241 millions de francs congolais destinés na ba défense y a ville y a Goma liboso y a ba juge le déprévenu ba reconnaissant ki kozwa mbongo yango kasi oyo bazongisaki na ba unité opérationnelle ezalaki clarté eloko ezalaki lokuta selon ministère public présent na Goma oyo batalisiki comptable azwaka ka $3 600 sur les $20 000 oyo ezalaki destiné pona défense ya ville ya Goma. S'il est vrai que les reçus existaient, monsieur le président, c'était à cette occasion d'aller insister pour que nous puissions récupérer ces reçus. Nous étions sur place. Les reçus n'existent pas. Mais par rapport à ce deuxième cas-là, nous avons recherché la dame Kamibis auprès de qui il avait laissé l'argent. Et cette dame avait été entendue, monsieur le président du Seigneur juge. Ces reçus-là n'ont jamais existé. Et à votre niveau, vous avez même la possibilité d'agir par voie de commission rogatoire vérifier si effectivement ces reçus existent. Ces reçus n'existent pas. Nous avions posé la question avant même de nous transporter sur le lieu. Pendant que nous étions ici, nous avons donné aucune indication. Nous arrivons sur place, nous avons vérifié, rien du tout. Et l'on se dit que l'argent était en cours d'utilisation. Donc on ne pouvait pas justifier. L'argent était en cours d'utilisation. Puis ils avaient reçu 241 millions de francs communs. Nous devions trouver cet argent-là. Mais sur les 241 millions en cours d'utilisation, on n'a rien trouvé en dehors de $3 600. Donc, les chefs, vous au lieu de vous dire la vérité. N'a pas na bango défense, y a pas prévenu et sollicité qui na haute cour militaire. Comparution, y a chef d'état-major, y a pas force terrestre, cause, et zala qui renvoyé, pour na mokolo, y a jeudi 6 juin 2024. Dossier à suivre. Nanya Sengeli a bongisa rond-point Yolo Médical, salité l'équipe population. Et bien, les bozo va détailler un reportage signé Fiston Perro Serf Luzo. À l'heure où quelques ronds-points ya ville province ya Kinshasa ezali kozwa retouche bazali ko embellir yango pour na beauté ya ville Kasimisusu ezali ko souffrir à l'exemple ya rond-point Yolo Médical tozali awa na croisement ya avenue des universités pe bongolo bino mokobotala esika oyo ndenge ezala abandonné et pourtant ezali ko moko Oye zara ka frekante makasi awa na ville province ya Kinshasa. Quelques personnes tokutaki sur place ba pousana ki pene ya micro na biso po na kotalisa boye. Ropo bongolo yango ndenge bo fungolongo. Ese nga pa gouverneur po bolandela yango bo sala bilo moya bien meti na rouleri kuna. Na moni ba kuni ro ba pelouse. On va ba yante place ba tu ba piéto ba rofanda o sota mu pepe. So ba selo ngo pa na bongoleza mo kitoko ne ba salaka na rompo ya victoire wana ezala bien rompo to senga ming babi so yu rompo na bino ba pa er ba yo ya ne ba uti si limete be ba uti campus ne presa mukola kendaka nini dricol ale kaka mo ba solo mo ezala ka fulu Kati osi nga bo yante malamu. Omo. Bo yante malamu na warompwe. Pa idebo si. So de tali. Ba rompwe bele. Ela rompwe zo. Ela rompwe. Rompwe victoire. Bo yante ango vimate. Okuta ba matiti na terase. Ba tu ba oteka. Ou peme na prince. Kar ezala na sinini. O fren. Car étant molara, ce point est qui mine. Au coup de maman, monsieur Babandi, n'a pas gêne. Parce que t'es carabiné au monde. Les habitants, n'a pas eu la solution, malam, pour que mon étant molara la propriété. Baron, pour vous, nous l'avons donné, les amapés. Les abambés, ma casse, parce que mon italien n'est pas sous nos lanettes.
essaye depuis 2006 parce que nous là on a mis un moment mais et pourquoi non on peut gouvernement pas les cas on peut pas qui va na bangote et ça quand on peut entrer bah on peut appeler parce que nous là on met bah on peut ça collecte moi bah qui tu moi bah ça bien pour na espace pour ça mon ne bon n'est ça bon mais comment peut salité bah elle on la moi bah quand ça au cas calamité comment peut na foule ma casse et comme ça ingato comme ça kaka bah ya bah bon sango batonga sous mon mana n'est ça qui bien bah le moli peut na bah chez moi propre n'est bah chez na bah limité bah côté nous sous et ça là on est y a photo mobile mais pour talaga quasima oyo photo bimi 7e photo ok poet photo ok ni on point là bas photo bimi Saint-Raph boulevard monene donc on a pas ça tout en tout cas vraiment pas ça ni pas y a bon sa place oyo oyo mais dis-toi toi quoi là ouais et d'ailleurs on roule là d'ailleurs c'est comme on roule là d'ailleurs roule là d'ailleurs mais le lopenda et comme on va fou le comme on va poubelle balabalo tout monde quand tu vas faire mon salamoko bon la mombe la vraiment mombe là et où maintenant le point c'est la raté il t'a dit que tu as la belle mais le comme qui tient la charité qui t'a dit comme fou là là yo mon ko film toi tu étais là 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 tu as voté on est sûr tu as voté la mon salam et tu vas quoi ça va mon salam na rond point na rond point quoi ça mon salam là ko ba ba comme ça king bopeto ya maloba tu vas poser ton monde king bopeto Ziana baksho na ona misala basali na bango elokote to mone lo ma malungate bazotaka chef de l'etat na ba conseil mobo na population yango tozo senga bato ba otavana moral ya chef de l'etat na moral na biso population papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa awa na yolo medical pe bazali kozela bino tubandi message ikomi yake yo bazotaka chef de l'etat na ba conseil mobo na population yango tozo senga bato ba otavana moral ya chef de l'etat na moral na biso population. Deux buts partout ezali score et sanctionné qui rencontre mokola lobby entre Daring Club Motema Pembe POC Renaissance na cadre la 3e journée ya plein down ya 29e édition ya Ligue nationale ya football. Reportage. Derby à capitale congolaise entre Daring Club Motema Pembe et Olympique Club Renaissance et ses soldats qui nanotent, il y a deux buts partout. L'objet qui soit Mokola dimanche 26 mai, na stade Tata Raphaël, en match comptant pour la 3e journée, il y a plein down, il y a Ligue nationale, il y a football. Bah Orange, Bazalaki, bah premier, il y a Kofungo la marque grâce à Mambembe Glody, na 6e minute de jeu. Attention Mambembe! 6e minute de jeu! Et l'ouverture du score de l'Océan Renaissance du Congo. Glody Mambembe. J'aime bien ce centre de Lubila. Canaps qui se loupe en première intention. Et ensuite. 5 minutes plus tard, Banadora va rattraper qui va orange. On a score notre mise. Il y a Junior Abou Koné. Dita. La perte des balles de Dita Larmi et Flocon du Lama avec Junior Abou Koné. Sa position préférée connaît pour remettre les pendules à l'heure. On but partout ici en Saint-Étienne Raphaël. On revoit ce but de Koné Junior. Il adore ce genre de situation, l'Ivoirien Junior Boukoné. Sur penalty, Daring Club Motema Pembe a joué qui avantage dans la première période grâce à Bingi. Bomola, la passe de Bomola, Junior Boukoné. Il y a faute. Oui, la faute de Mokombe Mokembe sur Junior Boukoné. Penalty pour DSMP. Bingi Bello face à Luzolo. Contre-pied parfait. Le deuxième but de Daring Club Motema Pembe. Signé Bingi Bello. L'avant-centre. DSMP qui prend désormais l'avantage dans ce derby. Na seconde période, OC Renaissance a été égalisé na 53e minute de jeu grâce à Kanams. Tata Raphaël pour ce derby! Le derby quinois! Le derby fratricide avec l'égalisation de la Renaissance du Congo! Oh là là! Quel match! C'est fou ce match! Incroyable! Un vrai derby! Kanams pour le deuxième but de l'OC Renaissance du Congo! Deux buts partout. Deux buts partout, score final. Daring Club Motema Pembe Azali compte actuellement 4 points dans le classement partiel, tandis que OC Renaissance enregistra qui premier point naïe. Yeah, Keyo. Canams,
pour obtenir l'égalisation. Nina ngwe sila raté sur la plus à mokola lelo et komi na souka botika to souhaiter joyeux anniversaire on a monsieur Billy Lusa OPJ à compétence générale des alikoli na mabé mokola lelo to zali kolia to zali komila avec pacte p idéologie de ce pela qui na ba image bo pesa merci na dio d'enfer signé Serge Lokondo Jacob Kayanda. Régie finale et Simamaki, na main de maître et directeur technique Vienanga, il y a sapeur ingénieur YM Carré. Bama tabakita, babal kolma belenga inebino tukutani lobi.